Jiangju, une liqueur claire filtrée à base de riz, de malt et d'eau. Takju, réalisé sans retirer la liqueur claire. Le soju, obtenu en distillant des liqueurs telles que le Jiangju et le Takju. Des liqueurs traditionnelles symboliques, des plaisirs raffinés de la culture coréenne. Gongmu Doaga est la première trace d'alcool apparaissant dans l'histoire écrite du peuple coréen. Il s'agit d'un texte de la période Gojoseon, représentant un vieil homme aux cheveux blancs, tenant une bouteille d'alcool. Les boissons alcoolisées faisaient partie de l'histoire du peuple coréen depuis le début. Le roi lui-même rassembla plusieurs de ses sujets et de nombreux nobles du pays et organisa un banquet. Une fois l'alcool bu trois fois, tous les spectacles musicaux ont commencé. Samguk Yusa. Le judo, qui fait référence à l'étiquette de consommation d'alcool, existe depuis la dynastie Shilla. Conformément à une nation qui a acquis la réputation de nation de l'étiquette, les Coréens y combinaient plaisir et courtoisie, même lorsqu'ils dégustaient un verre d'alcool. Gwanjuga est l'histoire d'une boisson offerte lors d'événements tels qu'un banquet, avec un souhait de longue vie et de santé. Pour le peuple coréen, l'alcool servait de sujet de littérature et de moyen d'enseignement. Les boissons étaient un compagnon constant de la vie quotidienne de la nation. La culture coréenne consistant à manger du riz et à faire du vin avec du riz. La coutume du gayangju, qui signifie brasser et boire de l'alcool à la maison, a prospéré sous la dynastie Joseon. Myeongga myeongju est une expression qui signifie qu'une famille prestigieuse possède un vin délicieux. Autrefois, lorsque servir de l'alcool était reconnu comme convenable et courtois, de nombreux foyers brassaient chacun leurs propres alcools pour recevoir des invités et pour des événements familiaux tels que des rites ancestraux. Andong soju. Il s'agit d'une variété représentative de soju distillée qui est largement appréciée. Ce soju était autrefois produit de contrebande et a failli être oublié. Mais la production a repris en 1987 après avoir été désigné bien culturel immatériel. Hansan Sogopju. Il s'agit d'un type de jeongju fabriqué dans la région de Hansan-myeon, Sochon-gun, dans la province de Chungjeon-namdo. Hansan Sogopju possède une très longue histoire de plus de 1500 ans. Il s'agit probablement de la première liqueur traditionnelle coréenne à être enregistrée dans les livres d'histoire de la péninsule coréenne. Gyeongju Gyodongbokju. Il s'agit d'un type de gayangju ou liqueur artisanale produit dans la maison de la famille Che de Gyeongju, célèbre pour sa richesse. Il est célèbre pour la douceur provenant de l'ingrédient brut, le riz gluant. Il est considéré comme le meilleur accompagnement de la cuisine coréenne. Jeongju Jeongmyeongju. Jeongmyeong, une liqueur aussi claire et pure que son nom l'indique. Jeongmyeong a été désigné bien culturel immatériel de la province de Chungjeonbuk-do en 1993. Il s'appelle Jeongmyeongju car elle était conçue pour être utilisée pendant le terme solaire de Jeongmyeong, l'une des 24 divisions de l'année. Une boisson rare et parfumée offerte en guise de courtoisie aux invités de marque. Construire la confiance et l'amitié avec des amis. La jouissance tranquille des plaisirs raffinés. Un tonique qui enlève la fatigue du travail. Pour le peuple coréen, l'alcool était intimement intégré à la vie quotidienne. L'alcool traditionnel n'est pas simplement une boisson alcoolisée, mais fait partie d'une riche culture. Aujourd'hui, à mesure que l'intérêt pour les boissons alcoolisées traditionnelles augmente, ces boissons progressent pour construire une nouvelle culture. Oh,
pétrole. Bonne